Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous accueillons avec grand plaisir Martine et Catherine. Et toutes les deux seront opposées à Charlotte et Amélie. Allez, l'homme du jour, bien sûr, c'est Thierry Beccaro. Alors merci de l'accueillir chaleureusement. Oh, une petite entrée musicale, quoi, voilà, sympa. Vous allez bien ? Vous êtes en forme, tout se passe bien, merci d'être des nôtres ce matin pendant une demi-heure. Nous allons jouer et nous allons jouer avec Catherine et Martine qui sont là pour la deuxième fois. Eh oui, parce que l'autre jour vous avez chuté sur le mot laudative. Puis alors après, donc hésitation déjà, tout s'est enchaîné. Après vous êtes tombé sur le 11e mot, c'était le mot happening. Etc, etc. Donc on est ravis de vous retrouver, Catherine, Martine. Merci. Ça va bien ? Oui, ça va. Martine, elle n'a pas l'air d'avoir un gros moral. Hein. Comment ? Ça, j'adore. Ça va, Catherine ? Oui, c'est bon, ça va. Super, la forme. Martine, je vais vous présenter Amélie. Amélie et Charlotte, elles sont sœurs. Oui. Voilà, et elles viennent de... Vous venez d'où, Amélie ? Alors moi, de Nancy. De Nancy. Et moi, de Reims. Et de Reims. Est-ce que vous travaillez toutes les deux, Amélie ? Alors actuellement, non. Je m'occupe de mon fils, voilà, qui a 16 mois et que j'embrasse. Qui s'appelle ? Paul-Édouard. Paul-Édouard, et bien voilà. Donc on embrasse Paul-Édouard, son papa, la famille, voilà, tout le monde. Ça. Tout le monde. Charlotte, qu'est-ce que vous faites, vous ? Moi, je suis infirmière. D'accord, À Reims, dans une clinique. Ouais. D'accord. Vous avez une spécialité, vous avez... Non, la clinique, elle fait maison de retraite et puis soins de suite, réadaptation. Très bien. Merci Charlotte d'être avec nous. Puis on va saluer toutes celles et tous ceux qui nous regardent là où vous travaillez. Oui, tout à fait. J'embrasse tous les patients, les résidents. Parce que je sais qu'on nous regarde beaucoup à ce moment-là. Là. C'est un moment important, notamment pour les résidents dont on vient de parler. Voici Charlotte, Amélie, une grille. Et regardez bien, parmi tous ces numéros qui viennent d'apparaître, vous avez le numéro 23. C'est le numéro magique qui vous permet de continuer à jouer si jamais vous tombez sur une boule noire. Martine. Oula. Catherine, vous aurez droit au numéro 56. Le montant de la cagnotte aujourd'hui, Myriam ? Eh bien, il s'élève à 2000 euros. Ici, les lombaires. Charlotte, vous aviez le choix, hein, 7, 8, 9 ou 10 lettres. On a pris 10 lettres. Carrément. Carrément. Pour la première fois, là, vous arrivez et vous choisissez 10 lettres. Et ben, je vous souhaite bonne chance. Merci. Je suis très, très heureux de vous accueillir ici. Voici la lettre P. Perfection. P-E-R-F-E-C-T-I-O-N. Passager, P-A-2-S-A-G-E-R-S. Alors, Martine, voici la lettre bonus, c'est la lettre L. Plafonné, P-L-A-F-O-2-N-E-E-S. Plafonnier, P-L-A-F-O-2-N-I-E-R. Super, Catherine. C'est écrit. Ce que je dis, c'était juste pour vous encourager. Hein. Ah ouais, merci. Ça, c'est une histoire qui va mal finir, je le sens. Voulez-vous mélanger, s'il vous plaît, chère Catherine ? Le 10.
Martine. Comptez tes lettres. Ouais, je sais pas compter. 46. Nous cherchons, enfin, vous allez chercher un mot de 10 lettres, Martine, qui commencera par un S. Stupidité. S-T-U-P-I-D-I-T-E-S. Serpillère. S-E-R-P-I-2-L-E-R-E. Souveraine. S-O-U-V-E-R-A-I-N-E. Secrétaire. S-E-C-R-E-T-A-I-R-E. Secourable. S-E-C-O-U-R-A-B-L-E. Excellent, Martine. Allez-y. Ouais, c'est pas bien pour vous. 26. Martine, est-ce que dans un mouvement très très élégant, vous voyez quelque chose de comme si vous étiez chez vous tranquillement, vous enlevez votre collier et vous le posez délicatement. Si vous voulez. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, super. Oui, parce que sinon vous, ça fait du bruit. Eh oui, vous l'aviez remarqué, mais que ne le disiez-vous pas. Non, je l'ai pas remarqué, mais je m'en suis douté. Si, parce que ça nous vrille, il est tympan depuis tout à l'heure. Donc on vous le dit avec la plus grande gentillesse. Vous voulez une consultation ORL? Ah ouais, je vous l'ai dit, ça va mal finir là. J'ai intérêt à faire gaffe. Allez, qui a mélangé? Tout le monde a mélangé, c'est oui. Bon. Ouais. À vous de jouer, Catherine. Champignon, C-H-A-N-P-I-G-N. Catherine. C'est à Catherine de jouer. Ah, vous avez dit, allez-y, moi, j'ai tout de suite pour moi. Ah, bah oui. Pourtant, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Donc, Charlotte... C'est la gaz allumée. Ah, oui. Charlotte, la lettre bonus. Charmante. C-H-A-R-M-A-N-T-E-S. Courageuse. C-O-U-R-A-G-E-U-S-E. Caravaning, C-A-R-A-V-A-N-I-N-G. Compatible, C-O-M-P-A-T-I-B-L-E. Compassion, C-O-M-P-A-2-S-I-O-N. Eh ben voilà, ça c'est bien. Ça fait 50 points. Et le mélange qui suit, Charlotte, il est pour vous. Allez-y. Le 57. Amélie. Le 23. Ça, c'est la bonne affaire. Oui. Ah oui, parce que vous pouvez jouer tranquillement, trouver le mot, ça c'est important, et vous pourrez mélanger sans craindre les boules noires. Amélie, à vous. Involontaire. I-N-V-O-L-O-N-T-A-I-R-E. Un petit peu long, c'est dommage. Ouais. Martine, attention à la lettre que voici, c'est la lettre M. Imaginaire. I-M-A-G-I-N-A-I-R-E. Attention, c'est à moi à parler. Hein. Honnêtement, c'est pas mal, hein, Martine. Franchement, ouais, des heures de révision. Hein. Mais on sent qu'il y a du boulot. Mais on sent qu'il y a du boulot derrière. Martine, vous mélangez, s'il vous plaît. Bon, manager. 6. Avec le 8, vous marquez 100 points, Catherine. Allez. Alors, il y aurait le 22. 22. Heureusement que Martine a l'air assez joyeuse. Parce que, non. J'en reviens pas. Ah, ça peut arriver de temps en temps. Hein. On peut trouver le bon numéro et marquer 100 points de plus. Chapeau, Catherine. Nous allons changer les grilles.
Et nous, bah c'est dommage, hein, Charlotte, le numéro magique, il n'aura pas servi. Hein. 250 à 50, changement de grille, et nous jouons avec vous, Catherine. Bon, Charlotte, Amélie, j'espère vous retrouver rapidement. Voilà, parce que le début qui a été un peu compliqué, c'est dommage. Martine, Catherine, votre nouvelle grille, la voici. Vous êtes en tête pour l'instant et vous jouez, s'il vous plaît, Catherine, avec la lettre M. Moissonner. M-O-I-2-S-O-2-N-E-R. Messagère. M-E-2-S-A-G-E-R-E-S. Mystérieux. M-Y-S-T-E-R-I-E-U-X. Moustache. M-O-U-S-T-A-C-H-E-S. Mastiquant. M-A-S-T-I-Q-U-N-T. Sardé, je l'ai pour M-A-N-S-A-R-D-E-E-S. Je l'ai pour. À mon avis, avec toutes ces lettres entourées de jaune, on ne voit plus rien. Hein. Et pourtant, il faut les replacer au bon endroit. On va vous aider, Charlotte, avec la lettre U. Voilà, mansuétude. Vous vouliez nous dire quelque chose sur mansuétude, Myriam ? Non, je disais juste que j'avais trouvé. Pour une fois que je trouve un mot. Et c'est bien, il faut. Mais je le fais de temps en temps parce qu'on se fait plaisir. Tiens, on annonce à la France entière qu'on l'a trouvé. Voilà, je suis fière de le faire. Bravo, la mansuétude. Amélie, voulez-vous mélanger, s'il vous plaît ? Ah non, vous n'avez pas trouvé, oui. Mais on veut bien. Oui. Ah, c'est de mieux en mieux. Hein. Pauvre garçon. Amélie, nous cherchons un mot de 10 lettres qui commencera par un R. Routinier. R-O-U-T-I-N-I-E-R-S. Routinière. R-O-U-T-I-N-I-E-R-E. Alors, il y a un petit carton jaune hein, sur routinier et il y a 50 points pour routinière. Bravo, bien joué. Charlotte, à vous de mélanger, s'il vous plaît. Le 55. Amélie. Le 17. Alors, pour vous rapprocher de Martine et de Catherine, il faudrait trouver ce mot, Amélie, qui commence par un V. Vagabonder. V-A-G-A-B-O-N-D-E-R. Validation. V-A-L-I-D-A-T-I-O-N. Visionner. V-I-S-I-O-2-N-E-E-S. Vieillesse. V-I-E-I-2-L-E-2-S-E. Vigilance. V-I-G-I-L-E-N-S-E. Ah non. Là, il y a une ou deux lettres importantes à placer. Martine, voici la lettre O. Vigoureuse. V-I-G-O-U-R-E-U-S-E. Eh oui. Bravo. Bravo, Martine. 300 à 100 pour l'instant. Voulez-vous mélanger, Martine, s'il vous plaît ? Catherine. Soixante-six. Pas mal.
C'est Myriam qui parle à présent. Voilà, et ce sera le dernier mot. Dernier mot, Catherine. Et oui, dernier mot à 100 points, donc il faut absolument le trouver, ce mot, qui commencera par la lettre J. Justicier. J-U-S-T-I-C-I-E-R-S. Jardinière. J-A-R-D-I-N-I-E-R-E. Jonquille. J-O-N-Q-I-2-L-E-S. Jonglerie. J-O-N-G-L-E-R-I-E-S. Aïe, 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 attention, attention, Charlotte. La lettre qui vient est importante, c'est la lettre U. Journalier, J-O-U-R-N-A-L-I-E-R. Et la partie n'est pas finie, vous pouvez égaliser, mais alors là, il faut avoir pas mal de chance. Bon, on va commencer avec vous, Amélie. Bon, ben, on va s'arrêter là. Hein. C'est pas la peine d'insister. Non. On vous applaudit très fort. Bravo. Vous êtes bien revenu, hein. 300 à 200. Catherine, juste. 300 à 200. On va vous retrouver en super partie dans un petit instant. Bravo. Et nous avons pour vous, Amélie et Charlotte, quelques cadeaux. Regardez. AvantQuest vous offre des logiciels pour sublimer vos photos et créer votre maison en 3D, ainsi que 100 euros de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Et puis SodaStream vous offre la Play Machine colorée au design épuré pour créer simplement, mais avec style, vos boissons pétillantes. Alors découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Amélie, Charlotte, nous nous reverrons un jour ou l'autre. J'y compte bien. Hein, voilà, ça, c'est une plus belle chanson écrite par Charles Aznavour. D'ailleurs, j'ai pas le temps de vous la chanter, donc on va passer en super partie. Et aujourd'hui, il y a 2000 euros à gagner. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus.francede.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le lundi 16 mars à Paris, le jeudi 19 mars à Belfort, le 20 mars à Strasbourg et enfin le 21 mars à Metz. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou bien rendez-vous sur motus.francede.fr. Mais Martine, ce matin, elle a tombé. Elle a marché sur ce qu'il fallait pour. Bon, Catherine qui ne cesse de me dire depuis le début de la partie, discrètement, on a une chance incroyable, on a une chance incroyable depuis les kangourous de la dernière fois, vous vous souvenez? Oui. Bon, bah, et pourvu que ça dure, profitez-en, Martine. Vous avez 5 minutes et 30 secondes, toutes les deux, pour trouver 10 mots de 10 lettres. Oui. Et plus, si on a encore un petit peu de temps. On n'aura pas. Voilà. On a quelqu'un de très optimiste. Comment voulez-vous jouer avec ça? Allez. Je vous ai dit, ça va mal finir. Allez, moi, je vous souhaite bonne chance et merci, je crois très fort. Merci. C'est parti. Tant mieux. Subtilité. Allez, vas-y. S-U-B-T-I-L-U... Je ne sais plus. L-I-T-E-S. Oui. S-U-B-T... Subtilité. Je ne sais plus. S-U-B-T-I-L-I-T-I... Non. Souveraine. S-O-U-V-E-R-A-I-N-E. Ah oui. Sorbetière. S-O-R-B-E-T-I-E-R-E. Ça y est. Oh, bah écoute ici. Mécanicien. M-E-C-A-N-I-C-I-E-N. Machinal, M-A-C-H-I-N-A-L-E-S. Machinisme. M-A-C-H-I-N-I-S-T-E.
Horlogère. H-O-R-L-O-G-E-R-E-S. Ça va pas. Houspiller. H-O-U-S-P-I-2-L-E-R. C'est bien. Audomarois, A-U-D-O-M-A-R-O-I-S. Ah, regarde. Autonomie, A-U-T-O-M-O-N-I-E-S. Non, c'est pas ça. Autonomie. Ben, vas-y. Automobile, A-U-T-O-M-O-B-I-L-E. Régulière, R-E-G-U-L-I-E-R-E-S. Rabougri, R-A-B-O-U-G-R-I-E-S. Ravigoter, R-A-V-I-G-O-T-E-R. Non, c'est même pas ça. Ça va pas. C'est pas V-A-F. Fier. Rigidifier, R-I-G-I-D-I-F-I-E-R. Ouais. Bien loin, sûr. Pharmacien, P-H-A-R-A-M-A-C-I-E-N. P-H-A-R-M-A-C-I-E-N. Pansement, P-A-N-S-E-M-E-N-T-S. Passerelle, P-A-2-S-E-R-E-2-L-E. Ah, tu parles, du coup, tu... Vaccinal, V-A-2-C-I-N-A-L-E-S. C'est ça. Varicelle, V-A-R-I-C-E-2-L-E-S. Vocaliser, V-O-C-A-L-I-S-E-R. Ah bah ça va, trop pro. Vocalisant, V-O-C-A-L-I-S-A-N-T. Volcanique, V-O-L-C-A-N-I-Q-E. Allez, c'est foutu de toute façon. Mais non. Dérèglement, D-E-R-E-G-L-E-M-E-N-T. Non, trop court. Déréglage, D-E-R-E-G-L-A-G-E-S. On veut pas non plus. Bon. Eh ben... Direction, D-I-R-E-C-T-I-O-N-S. Dérouillant, D-E-R-O-U-I. Deux L à... Dérouiller. Dérouiller, oui. D-E-R-O-U-I, deux L-E-R. Mais c'est pas ça. Oh, Déribla. Oh, là, c'est beau, bon, cette histoire. Dérailleur, D-E-R-A-I, deux L-E-U-R. C'est ça? Ah, ouais. On perd les pédales. C'est foutu, de toute façon. On a aïe, aïe, aïe. Trampoline, T-R-A-M-P-O. Bah, wow. On a perdu les pédales. Oh, traumatisé, regarde. Allez, on va vous applaudir très fort, parce que vraiment... Et Catherine qui nous a dit, avec beaucoup d'humour et pas mal de dérision, avec le mot dérailleur... On a perdu les pédales. Voilà, tout simplement, et tout ça... Avec le sourire, en tout cas, merci beaucoup. Bon, ouais. Merci à toutes les deux, merci Catherine. Merci Martine. À la prochaine fois, hein, on sera là, il y aura un petit peu plus dans la cagnotte. Passez une bonne journée, la meilleure possible. Merci.